Nicolas, bonjour. Bonjour. Comment ça va cette semaine? Très bien. Ça va? Le rugby, les traces du rugby s'estompent un peu? S'estompent doucement. De jour doucement. En jour. C'est bien. Parfait. Mais écoutez, on est tout ouïe pour cette deuxième semaine des cas par cas avec vous. Une intervention qui pourrait s'intituler « Méfiez-vous des termes génériques » et qui est consacrée essentiellement à une décision parle du .fr, une décision technique rendue par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 8 février dernier, et qui est dénommé Urban Outfitters contre Web Intelligence. Le PAL, c'est en relation avec le .fr. Tout à fait. Et l'autre, c'était l'UDRP, vous avez dit, c'est ça? Une décision ADR? Ah non, c'est une non, ADR. Non, il n'y en a qu'une seule. Ah, qu'une seule, il y en a qu'une seule. C'est le PAL. C'était le nom de la décision. C'est une, très bien. Une décision PAL. PAL, et d'accord. Qui concerne anthropologie.fr. D'accord. Alors, cette décision est particulièrement intéressante à double titre. Le premier, c'est évidemment qu'il faut se méfier des termes génériques, ce que je disais en préambule. Le second est que c'est une nouvelle fois l'occasion de mettre en exergue que même si la parle du .fr et du .re est largement inspirée des principes UDRP, on a deux procédures qui sont quand même relativement différentes et avec une parle qui a priori est plus souple que l'UDRP. Donc avant d'aborder ces enseignements, attardons-nous sur les faits de cette décision. Nous avons d'un côté un plaignant, la société Urban Outfitters, qui est titulaire de deux marques ayant effet en France. Une marque verbale nationale française, Anthropologie, qui a été déposée en 1993 et dont la protection est revendiquée essentiellement pour des vêtements en classe 25. Et une marque verbale communautaire éponyme, Anthropologie, qui elle a été déposée en 2004 et dont la protection est revendiquée également pour les vêtements en classe 25, mais également pour les produits de la maroquinerie et d'autres produits. Et de l'autre côté, nous avons un défendeur, la société Web Intelligence, qui a priori, en toute bonne foi, a réservé en décembre 2005 le nom de domaine anthropologie.fr, qu'elle n'exploite pas directement, mais sur lequel elle héberge une page parking Cedo qui propose divers liens de nature commerciale. Et c'est dans ce contexte que le 15 décembre dernier, la société Urban Outfitters a introduit une plainte devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI pour qu'on lui transfère le bénéfice du nom de domaine anthropologie.fr. Alors le réflexe qu'on peut avoir quand on est confronté à ce problème, c'est de se dire mais après tout, anthropologie c'est un terme parfaitement générique qui n'a pas vocation à être approprié par qui que ce soit, à faire l'objet de droits privatifs et encore moins le droit de marque. On a affaire à des marques qui vont être frappées de nullité. Le plaignant n'ira pas bien loin. Et pourtant, pas du tout. Pas du tout, puisque la décision qui est rendue par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI transfère le bénéfice du nom de domaine anthropologie.fr au requérant, la société Urban Outfitters. Alors, attardons-nous sur l'argumentation développée par la défendresse et par la société Web Intelligence. Le premier argument qui est développé par cette société est évidemment que le terme anthropologie est un terme parfaitement générique et que qu'il fasse l'objet de droits privatifs porte incontestablement atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Alors cet argument est une invitation à faire un petit point droit des marques, parce que pour qu'un signe, qu'il soit verbal ou semi-figuratif, puisse être déposé à titre de marque, le code de la propriété intellectuelle nous dit qu'il faut qu'il soit notamment distinctif. Alors, que se cache derrière ce terme? Le code de la propriété intellectuelle embraye en nous livrant une définition négative de la distinctivité du signe et nous dit le signe distinctif est un signe qui ne constitue pas une désignation nécessaire. Ce n'est pas le signe générique, ce n'est pas le signe usuel ou bien encore descriptif. Donc a priori, anthropologie serait un terme parfaitement générique. Mais attention, en droit des marques, la distinctivité est une notion qui s'apprécie par rapport à l'ensemble des produits et services que l'on a revendiqués pour la protection de sa marque. Les et classes. Il s'agissait... Alors les classes sont un pur outil de classement administratif. D'accord. Ce à quoi on fait bien attention, c'est le libellé même des produits et services qu'on peut créer, peu de gens le savent, mais c'est par rapport à ces produits et services revendiqués qu'on apprécie la distinctivité du signe. Donc en réalité, le caractère distinctif d'un signe, c'est le caractère arbitraire du signe que l'on a choisi par rapport aux produits et services
qu'on en ait décidé de revendiquer. Alors, pour être tout à fait clair, vous décidez d'avoir une marque que vous aimeriez appeler tomate, vous ne pouvez pas la revendiquer pour la protection de tomates. Par contre, vous pouvez tout à fait avoir une marque de chaussures qui s'appelle tomate. Et on a des exemples comme ça dans le commerce tous les jours. Petit bateau pour des vêtements pour enfants, ça ne pose de problème à personne. Par contre, pour des produits navals, on aurait été bien embêté. Diesel pour des jeans, c'est parfait. Pour des produits pétroliers, beaucoup moins. Voilà ce qu'est la distinctivité du signe. Donc, ce qui explique qu'en présence, avec anthropologie, on est en présence d'un terme a priori générique, mais qui est parfaitement distinctif pour la protection de vêtements. Donc partant de ce postulat, le débat s'est alors tourné vers les atteintes éventuelles aux droits de la société Outfitters. Et le défendeur a mis en avant que son nom de domaine, après tout, n'était pas exploité, qu'il renvoyait juste à une page parking Cedo et du coup qu'il n'avait rien à voir, que l'exploitation du nom de domaine n'avait rien à voir avec les vêtements de la société Urban Outfitters. Et le requérant, en réponse, lui rétorque que sa marque est notoire, c'est-à-dire une marque notoire, vous êtes peut-être un petit peu désormais familier avec cette notion. Une marque notoire, c'est une marque dont la protection brise le principe de spécialité, c'est-à-dire qu'on fait abstraction des produits et services qui ont été revendiqués. La marque a une protection qui est étendue à tous les produits et services possibles et imaginables. Par exemple, Ferrari. Vous ne pourrez jamais réserver un nom de domaine qui soit ferrari.fr pour commercialiser des produits de cuisine. Ce n'est pas possible. Mais pour bénéficier du statut de la marque notoire, il faut une décision judiciaire. Et une décision judiciaire qui est prise à grand renfort de statistiques, d'éléments probants. Or, en l'espèce, le seul élément qui est apporté par le plaignant dans cette histoire est que sa marque fait l'objet d'un article sur Wikipédia. Ah oui. Donc on est très loin d'un taux de pénétration important, d'un taux de connaissance suffisant sur un territoire géographique déterminé. Donc finalement, ce qui est intéressant dans cette décision, c'est que le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI va donner droit au plaignant, mais sans suivre son argumentation. Et va lui dire, effectivement, nous sommes ici en présence d'une page parking Cedo avec des liens commerciaux, mais il se trouve que la plupart de ces liens commerciaux renvoient vers des sites qui commercialisent des vêtements. Et parmi ces sites, ironie du sort, il y avait même le site du plaignant. Donc le risque de confusion était particulièrement constitué et l'expert a retenu que le simple usage de nature commerciale du site parking avec la rémunération dite pay par link suffisait à porter atteinte au titulaire du droit de marque pour justifier que le plaignant ait gain de cause. Même si l'antériorité de la marque était... C'est-à-dire que là, les dates de dépôt Les marques étaient bien antérieures. Bien antérieures. La marque française datait de 1993. D'accord. Et là, on était sur une réservation du nom de domaine de 2005. D'accord. Donc c'est quand même un élément important. Il n'y avait pas photo. D'accord. Il n'y avait pas photo. S'il en avait été différemment, le problème était tout autre. Tout autre, évidemment. Absolument. Ouais. Donc voilà pour le premier enseignement de cette décision. Méfiez-vous des termes génériques. Ce n'est pas parce qu'un terme est générique qu'il ne fait pas l'objet de droits privatifs. Qui n'a pas été enregistré à titre de marque, et c'est pour ça que c'est très important, je sais que ça se fait très peu, les gens ne le font qu'en matière de marque, mais il faut aussi le faire en matière de nom de domaine. Allez voir votre conseiller en propriété industrielle, votre avocat, pour vérifier la disponibilité du signe quand vous réservez votre nom de domaine. Vous assurez qu'il est parfaitement libre. Second enseignement, pardon, très brièvement de cette décision, c'est que, je vous l'ai rappelé en préambule, le nom de domaine anthropologie.fr a été réservé en toute bonne foi. Et on voit que là, s'il avait été fait application des principes du DRP, dont la troisième condition cumulative est la réservation de mauvaise foi, la procédure n'aurait pas abouti. C'est-à-dire qu'avec une procédure parle, on arrive à une décision totalement différente qui satisfait pleinement le plaignant que nous n'aurions pas eu avec l'application des stricts principes UDRP. Nous aurions eu le même problème avec anthropologie.com. Le fait que le réservataire du nom de domaine soit de bonne foi, on aurait eu une procédure différente. On aurait eu une procédure tout à fait différente, puisque précisément, le réservataire étant de bonne foi, il n'y avait aucune raison pour lui ôter la titularité
du nom de domaine. Et là, dans le cadre du .fr, le réservataire était de bonne foi. Le réservataire était de bonne foi. D'accord. Donc, ce qui permettait en fait d'engager la procédure par là. Exactement. S'il était de mauvaise foi, on n'aurait pas pu le faire. Il aurait fallu passer par... Alors là, non, le fait qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, quoi qu'il arrive, la procédure parle aurait abouti. Mais par contre, le fait qu'il soit de bonne foi aurait été un frein dans le cadre d'une procédure UDRP. UDRP, d'accord. Sur lequel... le plaignant se serait cassé les dents. D'accord. Donc ça, c'est une information qui est, je dirais, intéressante dans le sens où, justement, il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement que le côté générique d'un nom de domaine permet à tout le monde de vouloir se le saisir en disant on peut pas le protéger, se l'approprier. Ouais, c'est l'approprier. Et pourtant. Magnifique, très bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Semaine prochaine, j'attends toujours mon Google et AdWords. On verra peut-être la semaine prochaine. Je sais pas, je vais peut-être vous faire patienter. Okay, je suis taquin. Merci. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.